Qu'est-ce qu'ils font? Maman? Papa? Y a quelqu'un? Je crois qu'ils nous ont abandonnés. Regardez-moi ces deux-là. C'est ça, va. Ah, magnifique journée. Il ne nous reste plus qu'à retrouver le reste de l'équipage. Non, ils ne sont pas là non plus. Ok, alors je crois que je vais les attendre. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est vraiment débile. Il a laissé ses clés. Attends, il a laissé ses clés? C'est impossible. Tout simplement. Impossible. Waouh. Ah, j'en étais sûre. Qu'est-ce que c'est que ça? Doublon espagnol. D'où il sort? Ça donne la chair de poule. Mais c'est cool. Salut. Oh. Henri Avery. Le casse du Gunsway. Attends, vous êtes parti à la recherche du trésor d'Avery? C'est pas vrai. C'est papa? Parvis Magna.
La grandeur des petits débuts. Bah te voilà. Coucou. Tu te cachais où? Qu'est-ce que tu faisais là? Je vous cherchais. On a fini de charger le bateau. Tu viens? Cool, partez devant, je vous rejoins tout de suite. Pourquoi? Il faut juste que je... Qu'est-ce qui t'arrive? Ok. Vous fâchez pas. Allez, quoi, tu vas pas te fâcher? Les clés. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? Rien d'intéressant. À part cette vieille photo de vous deux et Sully. Avec un trésor sûrement espagnol. Et un fusil à pompe. Ouais. Il fallait bien que ça arrive un jour. Peut-être qu'on devrait lui en parler. Non, elle est pas encore prête. Prête pour quoi? Toutes ces conneries dans votre placard? Mais pas de gros mots. Oui, pas de gros mots. Désolée. Mais vous cachez littéralement des squelettes dans votre placard. Ou du moins... On aurait dit une sorte de crâne en argent. Bon, en fait, je crois que c'est moi qui suis pas prêt. Vraiment. Nate, il faut qu'on lui explique. Oui, c'est le moment idéal. Mais qu'est-ce que vous devez m'expliquer exactement? Elle est trop jeune. Elle est plus vieille que Sam et toi quand vous avez commencé. Mais non, ça n'a rien à voir, tu le sais très bien. Bon, écoutez, si vous trempez dans des magouilles douteuses, ça m'est complètement égal. Mais j'ai l'âge d'être au courant quand même, vous trouvez pas? T'es gonflé, toi. T'as plus peur des squelettes? Ah, très drôle. Maman? Très bien. Alors, comment t'expliquer? Pour moi, tout a commencé quand ce type m'a appelé pour m'informer en exclusivité d'une découverte historique majeure. Au début, j'ai pensé que c'était un arnaqueur. Oui, mais beau gosse, l'arnaqueur. Peut-être, mais je l'avais encore jamais vu. Oui, il savait. Il savait. Donc cet arnaqueur, il m'a dit « Financez cette expédition et je vous donne le cercueil de Sir Francis Drake. » Et pour information, j'ai bien tenu ma parole. Tu parles. Tu nous as abandonnés aux mains des pirates indonésiens. Oh, t'exagères. J'avais rien à voir okay, avec ça. Ok, attendez. Temps mort. Vous êtes en train de me dire que vous avez été attaqué par des pirates... Après avoir découvert le cercueil de Sir Francis Drake, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça. Oui, c'est bien ça. Ouais. Putain de merde! Non, pas de gros mots. Punaise. C'est mieux. Bon, allez-y, continuez. Vous savez quoi? Le soleil brille, le bateau est prêt et il y a une légère brise. Vous voulez continuer à en parler? Alors on va le faire sur l'eau. Vous venez? Mais attends, de quoi il avait l'air, Francis Drake? Décomposé? Il n'était pas dans le cercueil. En fait, il y avait que son journal et une carte de l'Eldorado. La fameuse cité d'or. C'est la légende, mais en fait, c'était qu'une statue. Une statue maudite. C'est pas vrai, tu rigoles? Non, je t'assure. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Tu vois, cette carte, elle nous a conduit.